Bonjour les amis, c'est Wallace. Alors, je vous présente un jeu Lovecraft. Et c'est Elder Signs Omens. C'est un jeu inspiré de l'univers de Lovecraft. Un univers étrange, cosmique, voilà, c'est le terme. Cosmique, mais observable depuis la Terre. Enfin, c'est marrant. C'est en quelque sorte. Voilà. Voilà. C'est un jeu qui existe sous forme de plateau. Là, j'ai la version vidéo. Les règles sont légèrement différentes. Et donc. Je vais lancer une partie contre Yig. Pack Investigation. Je vais choisir des personnages. Walker. Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends Amanda qui peut alors qui peut compléter. Enfin, je pense elle, je vous dirai après. Je prends elle. Rumpel Diamondy may conjure glyph against before determining if she was able to complete the task. Ok. Archaeology, whenever mandatory against one or more unique items, you receive an extra unique items. Il gagne un objet supplémentaire à chaque fois qu'il gagne un objet. One per glyph conjure. Michael may change glyph showing a terror to a peril. Voilà, je prends lui. Je vous dirai après. Also cannot appear during Kate's turn. In addition, she is immune to all terror effects. Les monstres ne peuvent pas apparaître durant son tour et elle est immunisée contre les effets de terreur. Et on va prendre un qui est très connu, Joe Diamond. À chaque fois qu'il a un indice qu'il utilise, en plus. Enfin, il utilise deux fois Ludin. Something terrible has begun to awaken within our museum. A something unsatisfied by mere exhibition or human study, writhing with ancient evil and terrible purpose. An entity that must, at all cost, be prevented access to our world. It's likely I will be branded as one unhinged for what I am about to do. From my studies, I am convinced such dangers are not new to the human experience. The very fact that humanity survives to this day, I attribute to our forebears' success in resisting the tormented realities beyond our own. Regrettably, such is not easy study. Among the rarities I have been fortunate enough to uncover, one particular emblem seems significant. A symbol of purported resistive faculty and considerable power. They called it the Elder Sign.
Yig's anger. Yig's suppertime minions are attempting to awaken him. Alors, Yig, c'est un grand ancien de forme serpentine. C'est une créature venue de l'espace, tellement énorme qu'elle est prise pour un dieu. Pour certaines personnes, les minions, les cultistes, qui décident de le faire venir sur Terre. You must seal away this father serpents. Donc, le père des serpents. Before his wrath is unleashed upon the world. Il faut l'empêcher de venir dans ce monde car il va le consumer. Et pour ça, il faut collecter 10 signes des anciens avant que la piste du destin se finisse. Alors, voilà, donc ici nous avons le nombre de signes des anciens à obtenir, il en faut 10, et la piste du destin c'est 8, s'il arrive au chiffre 8, il a gagné. Et nous, pour l'empêcher de venir, il faut obtenir 10. Voilà. Alors, donc pour cela, on va lancer les dés. Et il faut savoir que... Je vais vous montrer... Alors, les salles, Queen Glyph Locked. C'est ennuyeux. Des verres bloqués. Alors, je vais vous expliquer. Alors, pour réussir, normalement, on jette 6 dés. Et on doit résoudre les étapes de quête une par une. Alors, si sur les 6 dés j'ai 3 crânes, je ne pourrai qu'en utiliser un ou deux, mais pas les 3 en même temps. Mais Amanda, elle peut, elle, c'est sa capacité, le faire. Voilà. Fail aventure. Ah, si on sort en terreur, on perd l'aventure. Donc c'est pas pour elle. L'aventure effect. On peut gagner ainsi des anciens et 2 indices. Alors il faut faire, je pense qu'on va faire ça. 3 indices. Une terreur. Deux parchemins de sort. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? De la nourriture. Ça lui permet de récupérer une santé. Et le Necronomicon, c'est alors le livre fétiche de Lovecraft. C'est une invention évidemment de sa part, ce qui voilà, c'est l'emblème on va dire des écrits Lovecraft. Ok, ça permet d'avoir un nom. Use before conjuring to add a glyph and donc on obtient un dé rouge, donc un dé supérieur au dé vert et un indice. Alors, est-ce qu'on a besoin? Alors, est-ce qu'il y a autre chose?
Ouais, c'est plus simple, mais un monstre apparaît. Ah oui, alors, oh, les deux, ouais. Blindé. Ah, l'ennui, c'est qu'un monstre peut apparaître. Le mieux, c'est de. Alors, attendez. Là, je fais apparaître un portail vers une autre dimension. Faut pas se louper. On va faire ça. Hop. Elle a besoin d'un des rouges. L'idole sacrée, c'est Cthulhu, un des personnages des anciens. Alors, prendre. Ah ouais, je peux relancer. On va d'abord relancer. Ah, putain. Ah, par contre, j'ai échoué, donc c'est intéressant. Pour lancer, j'ai un indice. Mais faut deux connaissances. Celui-là, je le garde car celui-là, je le garde car je choisis le résultat de mon choix. Voilà. Je gagne un signe des anciens, deux indices et deux trophées. Autour de Michael McGlynn. Alors donc, lui, Michael McGlynn, once per glyph conjure, Michael may change glyph. Showing a terror to a peril. Il veut changer un terreur en péril. Alors nous avons un signe des anciens. Et qu'est-ce qu'il a comme objet? Un des rouges. Il peut soigner une santé mentale. Non. Des jaunes. Alors voyons. Alors avec les trophées, on peut obtenir différentes choses. Pour deux trophées, on restaure la santé physique. Pour deux trophées, la santé mentale. Chez Lovecraft, la santé mentale très importante. Et les deux, c'est. Ça coûte 4 points de trophée. On peut tourner la roue. Ah, ça peut être intéressant. Et on peut acheter des souvenirs. Le meilleur étant d'acheter un signe des anciens. Alors. Ces tâches sont à accomplir dans l'ordre. Glyph locked. Ça, c'est inquiétant.
Bah, on va faire celui-là. Ah ouais, voilà. On va faire celui-là en prenant le risque de faire apparaître, de faire avancer la traque du destin. On peut gagner deux indices et ouvrir un portail. Généralement, c'est très bon, les portails. Gate Railway. Je vais faire garder celui-ci. Voilà. Il me faut un. Putain, un super bouquin. On a ouvert un portail. Au prochain épisode, ce sera au tour de Kate. À bientôt. J'espère que ce premier épisode d'Other Sign vous plaira.